over 4 decades, the Libyan people had lived under the rule of a tyrant who denied them their most basic human rights. We must keep on with the NATO mission. We will help you to find Gaddafi and to bring him to justice. Notre position est claire. Monsieur Gaddafi doit partir. Gaddafi, un dictateur hors normes, aux mille vies. Longtemps parrain du terrorisme international, ennemi juré de l'Occident. Puis, au cours de la décennie écoulée, allié véritable au nom de la lutte antiterroriste, du pétrole, de la réalpolitik. Finalement, combattu, chassé, traqué. Voici les coulisses de l'ultime face-à-face entre Gaddafi et l'Occident. Il suffit d'une étincelle. À Benghazi, deuxième ville de Libye, des manifestants réunis par Facebook protestent contre l'arrestation d'un avocat. L'armée réplique à l'arme automatique. L'émeute devient une insurrection quand le lendemain, ils prennent la caserne de la ville et ses stocks d'armes. Benghazi et sa région tombent entre leurs mains. Le mouvement s'étend à tout le pays, jusqu'à Tripoli, où 50 000 personnes manifestent. À la fin du jour, on relève une soixantaine de morts. Devant la brutalité de la répression, l'insurrection, jusqu'alors désorganisée, prend soudain l'allure d'un putsch. De hauts responsables du régime basculent dans le camp de l'opposition à Gaddafi. Des ministres clés, dont ceux de la justice et de l'intérieur, des généraux, de hauts fonctionnaires. Ils sont rejoints par des notables et des opposants de l'extérieur, se choisissent un drapeau, celui de l'indépendance libyenne. C'est une révolution. En moins d'une semaine, le guide libyen perd le contrôle de la moitié de son pays. On le dit en fuite. Si bien qu'il finit par se montrer à la télévision, brièvement, au soir du 21 février, visiblement ébranlé. En pleine nuit, son fils et successeur présumé, Saïf al-Islam, se rend dans les studios de la télévision d'État. Celui qui incarnait la face modérée du régime montre un tout autre visage aux Libyens et au monde. القائد معمر قذافي هنا يقود المعركة في طرابلس. ستسيل دماء أنهر من الدماء في كل مدن ليبيا. وأنتم ستهاجروا من ليبيا لأنكم هذه بلاد البترول سيتوقف ومش هيتم الشركات الأجنبية بكرة ستغادر ليبيا والشرك والأجانب هيغادروا ليبيا. Les menaces du fils de Gaddafi ne s'adressent pas qu'aux insurgés. À 1000 km de là, à Benghazi, la révolution qui mêle caciques du régime et soulèvement populaire, au cœur d'une région où les islamistes sont traditionnellement puissants, a en effet de quoi dérouter les observateurs. Ancien protégé de Saïf al-Islam au sein du gouvernement, chargé des réformes économiques, Mahmoud Jibril est devenu le chef politique des rebelles. Ce discours s'adressait avant tout aux Occidentaux, pour les effrayer.
leur faire comprendre que s'ils ne soutenaient pas le régime, alors il y aurait une sorte de guerre civile en Libye, une partition du pays, le pétrole en fumée, un flot d'immigration illégale vers l'Europe. Le message était tellement limpide, empêcher l'Occident de soutenir la révolution. Je me souviens que j'ai eu l'idée de créer un Conseil national de transition à cause de ce discours-là. Et à partir du moment où nous avons eu cet outil entre les mains, nous avons eu une sorte de couverture, un biais par lequel nous pouvions parler au monde, en particulier à l'Occident. Nous nous posions de très sérieuses questions sur ce à quoi nous avions affaire. Nous ne savions vraiment pas au début. La secrétaire d'État m'a demandé de contacter l'opposition libyenne. J'en suis ressorti avec le sentiment que c'était vraiment une rébellion avec une base nationale. Je ne connaissais pas tous les protagonistes. Je ne savais pas, par exemple, dans quelle mesure les islamistes étaient impliqués. Parce qu'à ce moment-là, Kadhafi avait déjà commencé sa propagande en disant qu'il s'agissait d'une rébellion d'Al-Qaïda, etc. Mais c'était clairement un soulèvement populaire. Un soulèvement populaire qui paraît tout près de renverser le dictateur libyen. Fin février, les deux tiers des villes sont aux mains de l'opposition, civils en armes ou déserteurs. Sous pression, le régime réprime sans pitié, y compris par des armes lourdes. Après des réactions d'abord prudentes, les Occidentaux condamnent Kadhafi. À l'ONU, des sanctions sont votées à l'unanimité. Le même jour, le président français est le premier à demander son départ. Notre position est claire. Monsieur Kadhafi doit partir. Les violences répétées, systématiques, contre le peuple libyen sont inacceptables. We must not tolerate this regime using military force against its own people. And in that context, I've asked the Ministry of Defence and the Chief of Defence Staff to work with our allies on plans for a military no-fly zone. Mr. Speaker, it is clear this is an illegitimate regime that has lost the consent of its people. And our message to Colonel Gaddafi is simple. Go now. David Cameron franchit une étape supplémentaire. Une zone d'interdiction de survol, une no-fly zone, ôterait à Kadhafi son atout maître face aux rebelles, son aviation. Critiqué par son opposition et les médias, Cameron entend faire oublier la très grande proximité entre son pays et le dictateur libyen, noué depuis les années Blair. Il est devenu clair que nous devions intervenir militairement. Nous avons commencé à y travailler au sein du ministère de la Défense pour savoir de quelle manière procéder et comment trouver le plus d'alliés possible. Que va faire Kadhafi, retranché dans Tripoli? C'est la question que se posent toutes les chancelleries. Pour la première fois depuis le début de la crise, il accorde une interview à un média étranger. The President of the United States, the leaders of Britain and other leaders are calling on you to step down, to leave Libya, to leave your position of power. Will you do that? في واحد يترك بلاده ليش نتركها Les journalistes comme les dirigeants occidentaux ont sans doute présumé de la chute de Muammar Kadhafi. Passé la surprise initiale, il contre-attaque.
ولن نستخدم القوة بعد. والقوة تساند الشعب الليبي. إذا وصلت الأمور إلى حد استخدام القوة سنستخدمها وفقا للقانون الدولي ووفقا للدستور الليبي والقوانين الليبية. Kadhafi dispose de brigades spéciales, entièrement à son service, fortes de milliers d'hommes, recrutés dans des tribus alliées et très bien équipées. En face, les rebelles, armés de briques et de brocs, ne font plus le poids. Ils commencent à reculer, perdent plusieurs villes dans l'ouest du pays, où seul Misrata tient encore. Le bras de fer contre Kadhafi passe par Washington. La France et son partenaire britannique n'ont pas les moyens d'intervenir seuls, sans le soutien des États-Unis et de leur bras armé, l'OTAN. Or, l'administration Obama hésite à s'engager dans une aventure que les militaires américains jugent hautement risquée. Sans compter que depuis 2003, l'Amérique a trouvé en Kadhafi un allié zélé contre le terrorisme et bénéficie grandement du pétrole libyen. It's easy for people to say do this, do that, and then they turn and say, okay, U.S., go do it. You use your assets, you use your, you know, men and women, you get out there and do it, and you take the consequences if something bad happened. And I want to remind people that, you know, we had a no-fly zone over Iraq. It did not prevent Saddam Hussein from slaughtering people on the ground, and it did not get him out of office. Pour qu'on intervienne militairement, il fallait qu'on ait des certitudes sur les conséquences d'une telle action. Qu'est-ce qui se passerait si l'intervention ne fonctionnait pas? Est-ce qu'on serait forcé d'en faire plus? Est-ce qu'on serait entraîné dans quelque chose dont on ne voulait pas? C'était ça le débat à Washington. On ne voulait pas avoir sur les bras une guerre des États-Unis contre les Libyens. Premièrement, parce que nous avions déjà assez de pain sur la planche dans d'autres parties du monde. Et deuxièmement, on ne voulait pas d'un conflit entre la Libye et les États-Unis à cause de ses possibles implications pour le reste de la région. Troisièmement, si on agissait, ce serait uniquement sur la base d'un soutien régional, d'un mandat international, ce qui nécessitait de rassembler une coalition. Les Américains exigent en effet une coalition englobant non seulement l'OTAN, mais aussi les pays arabes. Le spectre des années Bush et de l'aventure irakienne est dans tous les esprits, à Washington, mais aussi à Paris et à Londres. Cette guerre ne doit pas apparaître comme celle de l'Occident contre Kadhafi. La course diplomatique contre la montre se poursuit. Au Caire, où la Ligue arabe se réunit. Même si les Français et les Britanniques n'ont pas ménagé leur pression diplomatique, même si les folies de Kadhafi l'ont brouillé avec presque tous ses voisins au fil des ans, pour la Ligue, accepter une intervention occidentale contre un autre pays arabe serait une première. Il fallait agir très vite, et agir très vite encore une fois dans le contexte onusien. Nous étions aussi, par la même occasion, je tiens à rappeler, très clairs et très fermes sur le principe qu'il ne doit pas y avoir une ingérence terrestre, pas d'occupation terrestre, pas de force terrestre qui rentre sur le territoire national libyen. Je crois que ce qui a convaincu la Ligue arabe, c'est le Qatar. Ils ont fait tout ce qui était possible et imaginable pour soutenir le peuple libyen et la révolution. Moi-même, j'ai été hébergé au Qatar. Ils ont été d'une grande hospitalité, d'un grand soutien. Formidable. En coulisses, ce richissime État du Golfe, propriétaire de la chaîne Al Jazeera, met toute son influence dans la balance. Depuis le début des printemps arabes, cette monarchie héréditaire joue la carte des révolutions contre les régimes en place. Le moyen pour ce petit État de peser dans le monde arabe. L'émir du Qatar est également, depuis quelques années, un solide allié de la France. Le rôle du Qatar était très important et à chaque fois qu'on rencontre le président Sarkozy, il le mentionne.
Vous avez un grand ami à la personne de l'émir de Qatar. Le Qatar est là comme un fil conducteur du début à la fin, et je pense que la relation personnelle entre Nicolas Sarkozy et l'émir du Qatar a pesé beaucoup. Je sais que côté français, il y avait une inquiétude, combien d'avions est-ce qu'ils vont mettre dans la coalition. Il y a eu un gros effort français pour convaincre les Qataris de mettre des avions. Il fallait pouvoir annoncer qu'il y avait des avions qataris. Ce qu'il fallait évidemment absolument éviter, c'est que cela puisse être ressenti par le monde arabo-musulman comme une espèce de croisade occidentale contre les pays contre les pays du Sud. Le 12 mars, la Ligue arabe donne son accord à une zone d'interdiction aérienne. Le Qatar promet quant à lui 6 mirages pour la faire respecter. Grâce au soutien de la Ligue arabe, la France marque un point vis-à-vis d'Hillary Clinton, qui se montre d'un coup plus sensible aux positions françaises. Mais elle doit toujours compter avec l'hostilité du Pentagone et d'une partie de la Maison-Blanche à une intervention. Ce soir-là, à 23h, la secrétaire d'État se dirige vers un palace parisien. We needed to have... Arrivé à ce stade, nous avions besoin de rencontrer M. Jibril, face à face, pour qu'Hillary Clinton se sente plus à l'aise, pour ensuite conseiller au président Obama quoi faire. Elle posait les questions de quelqu'un qui essaie de combler des trous. Vous savez, l'Occident en général, les États-Unis en particulier, ils sont préoccupés par toutes ces choses sur l'extrémisme musulman, entre guillemets. Parfois, c'est qualifié de terrorisme, parfois d'extrémisme. Mais c'est une préoccupation ici, qu'elle soit fondée ou pas. Alors je pense que l'un des buts de ces questions était de découvrir est-ce que ce sont de véritables pro-démocrates. Cette réunion a été vraiment décisive. Elle en est sortie avec au moins une idée un peu plus claire sur qui était M. Jibril, qui était l'opposition. Le lendemain de cette rencontre, le 15 mars, les forces de Kadhafi reprennent le verrou d'Ajdabiya, à 80 km au sud de Benghazi. La route du fief des rebelles leur est ouverte. Si Benghazi tombe, c'en est fini de la révolution en Libye. Pressé de prendre de court la communauté internationale, Kadhafi lance ses chars, tellement confiant qu'il menace ouvertement. Le même jour, à la Maison-Blanche, le président Obama réunit ses conseillers. Face aux militaires, Hillary Clinton plaide en faveur d'une intervention. Malgré ses réserves, Barack Obama sait qu'il va lui être politiquement de plus en plus difficile de rester inactif face à Kadhafi. À ce moment précis, alors que le débat faisait rage et qu'il n'était pas tranché, Kadhafi nous a forcé la main par ses menaces d'attaquer Benghazi. Ça a été le tournant. Le débat n'était plus « est-ce que c'est dans l'intérêt américain ?» On est passé au constat que nous faisions face à une possible crise humanitaire, une catastrophe imminente. Je ne pense pas que nous ayons eu le choix à ce moment-ci. Le président a finalement décidé, à cause de ces menaces en particulier, que nous devions réagir. «
Réuni en urgence à minuit, le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à voter la résolution 1973 sur la Libye. Au dernier moment, la Russie et la Chine renoncent à opposer leur veto. Officiellement parce qu'à leurs yeux, Kadhafi est indéfendable, mais aussi parce que la Libye, estime-t-il, fait partie du précaré des Occidentaux depuis le rapprochement des années 2000. Qu'ils fassent alors ce que bon leur semble. Toute première partie de cette histoire a consisté à essayer de faire comprendre conscience au colonel Kadhafi et à ses principaux lieutenants de la détermination de la coalition. C'est la première chose à faire. Si vous voulez dissuader l'adversaire, ben, vous devez le convaincre que vous irez jusqu'au bout. Que vous répondait-il ? On va faire tellement de dégâts que vous, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas gagner. Ça sera, vous allez vous empêtrer dans quelque chose, vous avez tout à perdre. Je crois que ce n'était pas simplement une tactique. J'étais absolument convaincu que la coalition n'irait pas jusqu'au bout. Base française de Saint-Dizier, en Haute-Marne. En début d'après-midi, deux pilotes de Rafale se préparent à prendre l'air. Ils partent pour l'est libyen, à 2000 km de là, où les chars de Kadhafi poursuivent leur progression. Dans les jours qui suivent, un déluge de feu s'abat sur les centres de commandement, les batteries antimissiles, les bases militaires. Une semaine après le début de l'intervention, 1600 sorties aériennes ont été effectuées, dont les deux tiers américaines. Le palais-caserne du guide libyen, Bab el-Aziza, n'est plus que ruine. Kadhafi va fuir, son entourage le trahir. Un coup d'État survenir, pense-t-on, dans les états-majors. J'ai eu des discussions à différents niveaux, certaines avec des gens des services secrets ou des gens impliqués dans les opérations militaires. Eh bien, ils pensaient que ça allait prendre 10 jours, 2 semaines ou plus. Certains en étaient sûrs à 100%. Je leur ai dit, c'est une blague, vous n'y pensez pas. Ça prendra au minimum 6 mois. Kadhafi ne plie pas, appuyé sur des tribus fidèles, contrôlant la moitié du territoire, matant dans l'œuf les trahisons, changeant de maison chaque nuit. 40 ans d'un pouvoir chaotique sont la meilleure école de survie. Les stratèges espéraient que l'appui aérien donnerait au sol un coup de pouce décisif aux combattants rebelles pour avancer vers Tripoli. Or, un mois après le début des frappes, le front n'a bougé que de quelques kilomètres. Il y avait aussi des limites à ce qu'on pouvait faire avec l'opération Protecteur Unifié. Parce qu'on menait nos opérations depuis les airs et la mer, et beaucoup dépendaient des progrès au sol des combattants du Conseil national de transition. Là où j'étais perplexe, c'est quelle est la capacité effective des opposants rassemblés autour du CNT, mais pas seulement de lui, rien n'était vraiment établi à cet instant, de devenir du jour au lendemain des militaires. Enfin, du jour au lendemain, en tous les cas, rapidement, des militaires. Et je dois reconnaître que les premiers jours, on a vu des gens à la fois courageux, de l'allant,
mais avec une organisation et une logistique somme toute très réduite. Le premier avion qui a été abattu dans le ciel, c'est un avion du CNT par des forces du CNT. Quand nous avons participé à la première réunion ministérielle, le 14 avril à Berlin, nous sommes rentrés à Washington et nous avons dit, vous savez, ces ministres des Affaires étrangères se réunissent, mais il serait probablement judicieux de savoir ce que nous essayons de faire, quel est notre objectif. Et notre idée, et au sein de la communauté internationale aussi, c'était que ça se finirait par un cessez-le-feu, sous l'égide de l'ONU, mais pas par une défaite militaire de Kadhafi. Tunis, base arrière du CNT en charge de l'Ouest libyen. Ici apparaît une issue pour peut-être sortir du statu quo militaire. À son origine, deux responsables du CNT. L'un est un généticien revenu du Canada pour soutenir la révolution. L'autre, le patron d'une entreprise de restauration collective qui a accès au tout Tripoli. À l'image de cette révolution hors norme, l'alliance de deux révolutionnaires improbables. C'était un 15 mai exactement. J'ai rencontré Abdelmajid Mlekta. Il m'a dit, je reviens de Tripoli. Il y avait passé 2 mois. Il m'a dit, je dispose d'énormément d'informations sur les forces de sécurité, comment elles fonctionnent. Et j'ai monté un réseau d'espionnage, grâce auquel je crois qu'on pourrait prendre Tripoli. Tripoli, c'était vraiment le dernier bastion de Kadhafi. Si Tripoli tombe, tout le système s'écroule. On a rassemblé toutes les informations. Les nombres d'agents, les voitures, les bases, tout. On les a localisés sur Google Maps, on a tout mis sur une clé USB et on est parti. Nous nous sommes envolés pour Doha pour rencontrer Mahmoud Djibril. Nous l'avons vu dès le lendemain et nous lui avons expliqué le plan. Les Libyens ont résumé leur plan sur un simple PowerPoint. Celui-ci prévoit le soulèvement de cellules dormantes dans la ville, simultanément à des frappes aériennes sur 300 objectifs identifiés par les deux hommes. Ainsi qu'une attaque depuis les montagnes de Nefouza, située à 150 km au sud de Tripoli et que la rébellion contrôle en partie. Simple, mais impossible sans l'aide des Occidentaux. 2 jours plus tard, les deux Libyens et Mahmoud Djibril rencontrent le président de la République. Il nous a écoutés très attentivement, puis il nous a mis en contact avec son chef des services de renseignement. C'était la première fois pour moi, avec de si hauts responsables, pour leur expliquer ce qu'on voulait faire. Ça a été une expérience étonnante, parce que nous, on n'avait aucune expérience, aucune compétence dans le renseignement. Et là, on se retrouve face à ces grands généraux à essayer de leur expliquer un plan tout simple. On a fait un exposé et on leur a montré le plan sur un vidéoprojecteur. Toute leur équipe écoutait très très attentivement. Ça a duré 7 heures. Ils nous posaient des questions sur le moindre détail, point par point. Et ensuite, on leur a expliqué ce dont on avait besoin pour mettre ce plan en œuvre. On a eu un autre rendez-vous avec le président, après la réunion avec les militaires, et il a accepté. À l'Élysée, les officiels étaient très explicites. Ils disaient, c'est évident, on ne peut pas continuer comme ça éternellement. Kadhafi est très fort, l'OTAN fait de son mieux, mais rien ne bouge. Il faut absolument faire quelque chose. Je crois que ça a joué en notre faveur, parce que nous, on est arrivés avec ce plan et ils se sont dit, ok, maintenant au moins on a quelque chose sur lequel travailler.
difficile d'évaluer totalement les chances de réussite, puisque nous étions obligés de nous en remettre, en particulier sur le quadrillage de Tripoli, à leurs informations. Même si nous, on avait des informations par ailleurs, elles n'étaient pas aussi fiables et aussi précises. Mais si on leur faisait confiance sur les informations, leur plan paraissait tout à fait sérieux. Othman et son camarade feront encore 5 voyages à Paris pour peaufiner ce plan insolite sur lequel reposent les espoirs occidentaux. De longues semaines de préparation sont nécessaires. À partir de fin mai, les Français effectuent des livraisons clandestines d'armes dans les montagnes de Nefouza, clé de voûte de l'opération. Ils envoient aussi des moyens de communication aux cellules dormantes de la capitale. Mais rien ne serait possible sans un allié précieux. Dans un premier temps, on dit ça, le Qatar finance la rébellion. Et ensuite, des livraisons d'armes. Alors le schéma va apparaître au fil du temps, des armes françaises transférées au Qatar qui les transportaient vers la rébellion libyenne. Un jeu de rémunération de la France pour ces armes qui impliquerait des revenus libyens tirés du pétrole, enfin bon, une sorte de schéma triangulaire. À assez haut niveau, côté français, on se sent assez confiant pour dire à une journaliste en off qu'il y a une vraie présence des forces spéciales du Qatar auprès de la rébellion et des Français, des Britanniques, mais me dit-on moins de Britanniques que de Français, voilà. Sur le plan militaire, les Occidentaux entrevoient une solution, aussi lointaine et incertaine qu'elle apparaisse alors. Ce n'est pas la guerre. C'est l'avenir de la Libye, l'après-Kadhafi, qui les préoccupe le plus. Les doutes s'accroissent sur la capacité d'un CNT déjà en proie à des luttes intestines à non seulement vaincre Kadhafi, mais à gouverner demain un pays tout entier. Sujet d'inquiétude, certaines forces combattantes incontrôlées gagnent en importance. En premier lieu, des islamistes radicaux, minoritaires mais bien présents. Autrefois traqués par Kadhafi et les services occidentaux, ces djihadistes se sont aguerris en Afghanistan ou en Irak. Ironie de l'histoire, ils se trouvent maintenant dans le même camp que cet Occident qu'ils combattaient. Une réalité que nul ne connaît mieux que l'ancien chef des radicaux libyens, devenu informateur des services de renseignement de la coalition. J'ai été sous une énorme pression à cause de cette affaire. J'ai participé à des centaines, littéralement, de discussions là-dessus. J'ai été confronté à plusieurs reprises à des détails embarrassants. C'est pour ça que je ne pouvais pas mentir. Le problème, c'est Al-Qaïda, en tant qu'organisation internationale qui attaque l'Occident partout où c'est possible et tout le temps. Mais là, vous avez un conflit local avec des djihadistes libyens, mais qui sont nationalistes et qui ne sont pas fichés pour des activités terroristes. Même si ce sont des extrémistes, raisonnables. Ça a été très difficile d'en convaincre certains services secrets, certains décideurs. Bien sûr, les gens s'inquiètent, mais nous toujours on dit que ces jeunes-là, ils sont allés en Afghanistan ou en Irak parce qu'ils étaient poussés par Kadhafi. Quand la révolution a éclaté, ces jeunes-là sont les premiers qui sont venus pour défendre leur population, leur père, leur mère, et défendre leur pays. Et dès le début, ils ont dit qu'ils vont accepter le jeu démocratique. Un homme symbolise la déroutante donne libyenne, Abdelhakim Belhadj. Combattant islamiste en Libye, puis aux côtés des talibans en Afghanistan, allié à Al-Qaïda. Arrêté en Asie en 2004 par la CIA, livré au régime de Kadhafi,
emprisonné 7 ans. Il se trouve maintenant à la tête d'une importante faction dans ces montagnes de Nefusa, si déterminante pour prendre un jour Tripoli. Durant notre visite à Doha, en compagnie de M. Abdel Jalil, du ministre de la Défense et de quelques révolutionnaires, j'ai eu l'occasion de rencontrer les chefs militaires des pays de l'OTAN. J'ai même eu une entrevue avec le chef d'état-major de l'Élysée. La rencontre fut transparente. On y a échangé nos avis avec beaucoup de franchise. Vous savez, la question n'est pas d'éliminer l'autre ou de l'exterminer. Il est écrit « Dieu nous a créés différents afin que les uns fassent la connaissance des autres ». Bien sûr, c'était un risque. Même éventuellement une menace sur l'avenir. Enfin, on avait le choix entre soutenir ce Conseil national de transition et tous ceux qui l'entouraient. Et forcément, dans ceux qui l'entouraient, puisqu'il y avait toutes les forces hostiles au régime, il y avait aussi des forces plus ou moins menaçantes. Mais c'était ça ou Kadhafi, voilà. Alors qu'après, les services de renseignement, ils phosphoraient sur... Oui, tout le monde peut se poser des questions, mais ça ne pouvait pas être déterminant. Voilà, mais vous savez, l'histoire est toujours tragique, et la politique, elle est confrontée au tragique de l'histoire. Vous ne savez pas à l'avance ce que les décisions que vous prenez vont avoir pour conséquences. Donc vous évaluez les conséquences, vous faites un pari sur les conséquences. Est-ce que ces gens se battaient d'abord pour le contrôle de leur pays? Ou est-ce que leur motivation principale était un projet islamiste extrême? Chez ceux que j'ai rencontrés, à aucun moment je n'ai détecté d'intention islamiste radicale. Le duel avec Kadhafi se révèle périlleux, l'avenir de la Libye incertain. Alors, en même temps qu'ils projettent de prendre Tripoli, les Occidentaux abattent une autre carte. Malgré maintenant 3 mois de bombardements quotidiens, Muammar Kadhafi tient toujours sa capitale et une bonne part de son pays. Ce stratège rusé sait aussi que ses ennemis doutent. Il choisit ce moment pour paraître aux côtés d'un vieil ami russe, le président de la fédération d'un sport qu'il affectionne, les échecs. Par mon biais, il a transmis un message aux pays de l'OTAN, ce que j'ai fait. J'ai immédiatement écrit une lettre à Sarkozy, à Merkel, à tous les pays de l'OTAN qui bombardaient la Libye. J'ai écrit, il m'a demandé de vous transmettre de cesser complètement les tirs, les assassinats de civils, et d'entamer des négociations sans conditions préalables. Pour trouver un accord sur l'avenir de la Libye, sans verser le sang, sans guerre. Sur l'échiquier du conflit, Kadhafi est la pièce maîtresse. Récemment inculpé par la Cour pénale internationale, il représente la principale raison de la poursuite de la guerre. Alors pour la coalition, le match nul devient tentant. Son retrait serait la solution idéale, la moins risquée. Dans ce pays coupé en deux, elle ouvrirait la voie à un compromis politique entre le Conseil national de transition de Benghazi et une partie du régime de Tripoli. On a senti des formes de pression de la part de nos alliés. On a commencé à devoir écouter certains conseils. Peut-être qu'un compromis est nécessaire. Des initiatives politiques ont commencé à surgir de partout, de tous les côtés. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Tout le monde nous parlait d'initiatives politiques, vous savez.
La France étant le fer de lance de la guerre, c'est d'abord à Paris que la partie se joue. Le président de la République reçoit en personne le plus proche conseiller de Kadhafi. Béchir Saleh, on le connaît, c'est le directeur de cabinet francophone. Et c'était pour le président une façon de faire passer un message direct auprès de Kadhafi, en lui disant, voilà, vous avez le choix, ou bien vous arrêtez tout de suite les combats, vous renvoyez les troupes dans les casernes, et à ce moment-là, avant qu'il ne soit trop tard pour vous, nous pouvons vous garantir l'exil dans un pays où il aurait été protégé. Et puis il fallait d'autre part donner des garanties aussi au Conseil national transition, enfin aux Libyens, que Kadhafi ne pourrait plus nuire. Nous avions sur le papier établi une liste de pays qui n'avaient pas l'obligation de transférer vers la Cour pénale internationale. Et on avait fait une liste exhaustive, laissant le choix éventuel à Kadhafi. Et j'ai rencontré le président. Il m'a raconté ce qui se passait avec Béchir Saleh. Et il m'a donné son bon conseil. Réfléchissez-y et revenez vers moi. Or, au même moment, les préparatifs pour libérer Tripoli se poursuivaient. Alors j'ai répondu, « Ok, on va prendre cette initiative au sérieux et blablabla. » Il fallait juste gagner le maximum de temps avant que la prise de Tripoli puisse débuter. Alors que la réponse de Kadhafi à l'offre faite par la France au nom de la coalition tarde à venir, un nouvel acteur apparaît dans la coulisse, le Premier ministre Mahmoudi Baghdadi, numéro 2 du régime. Celui-ci fait passer un message par différents canaux. Pour y voir clair dans le bluff des uns et des autres, un émissaire de haut rang est dépêché à Tripoli auprès de Baghdadi. Il s'agit d'un haut diplomate russe, pays resté neutre dans le conflit et qui jouit encore de la confiance des Libyens. Cette démarche s'est décidée un peu plus tôt, en marge du sommet du G8 de Deauville. Le président Medvedev a eu plusieurs tête-à-tête, avec le président Sarkozy, avec le président Obama, avec d'autres dirigeants. À la fin de la journée, après ces réunions, il m'a passé un coup de fil. Et il m'a dit, on nous demande de nous impliquer. Tu dois partir. Il était essentiel que ce message soit transmis par l'émissaire de Medvedev, si possible directement à Kadhafi, pour ajouter sa force de conviction à celle de Nicolas Sarkozy. À la fin de la journée, je me suis entretenu avec le Premier ministre Mahmoudi Baghdadi. Il m'a semblé, je dirais, plutôt clivé. Il n'était pas nerveux. Il ne se lamentait pas. Simplement, il me parlait comme si tout était normal, sous contrôle. Ce qu'il voulait faire, et ce qu'il a fait, c'était me faire peur. Il m'a dit, nous sommes prêts à faire exploser tous les explosifs et les missiles que nous avons à Tripoli, si ils arrivent. Il, c'est-à-dire le CNT, le Conseil national de transition. Tripoli deviendrait un volcan. Une autre chose qu'il m'a dite, et bien sûr je pense que c'était une sorte de jeu, nous avons été approchés par des membres d'Al-Qaïda qui nous ont suggéré de lancer des attaques contre l'Europe de l'Ouest. Bien sûr, nous avons refusé. Mais qui sait ce que nous répondrons la prochaine fois? En fait, c'était comme si ce type avait été utilisé par son chef comme une sorte de messager. Face à l'envoyé du président russe, il voulait seulement faire passer un message. Ce n'était pas une conversation entre deux personnes qui veulent résoudre un problème. Ce type ne voulait rien résoudre du tout. Les Occidentaux se rendent à l'évidence. Kadhafi est le maître du jeu à Tripoli et pense bien le rester. Malgré tout, des initiatives politiques
continuent encore un temps. Elles ont été toutes repoussées par le colonel Kadhafi, qui n'imaginait pas un instant, on revient à l'aveuglement, avoir à négocier sa reddition, puisqu'il pensait que de toute façon personne n'irait jusqu'au bout et qu'il était toujours plus puissant, alors qu'il était déjà, que sa situation était déjà plus fragile. On avait maintenu des lignes directes. J'ai eu plusieurs conversations avec des responsables du régime de Kadhafi. C'était en permanence, s'il vous plaît, faisons un deal. Mais personne, à la fin des fins, personne, aucun d'entre eux ne pouvait nous assurer que Kadhafi était prêt à se retirer ou qu'un groupe dans le premier cercle était prêt à aller le voir et à lui dire « Maintenant, il faut que vous partiez pour le bien du pays ». Kadhafi a tout de même quelques vraies raisons d'espérer s'en sortir. Le mois du Ramadan est là, puis ce sera la rentrée de septembre et le dossier de la crise économique qui va monopoliser les énergies. Les Occidentaux ont-ils les moyens de poursuivre cette guerre au-delà de l'été? En accord avec leurs alliés de la coalition, les Français donnent le feu vert au CNT pour déclencher le plan de la prise de Tripoli. Il fallait que cette opération réussisse. C'était l'unique espoir de décapiter le régime. Si on échouait, Dieu nous en préserve, alors on aurait été soumis à toutes sortes de pressions politiques. J'étais moi-même prêt à démissionner, à quitter la scène sur le champ en cas d'échec. Depuis les montagnes de Nefouza, ainsi que depuis la ville de Misrata, les rebelles foncent sur Tripoli. Alors que les premiers combats éclatent, Kadhafi se trouve encore dans sa capitale. Mohamed Kadhafi m'a appelé. Il m'a dit que son père souhaitait me parler. Et comme il y avait des combats là-bas, on entendait des bombes. Il m'a dit, il ne peut pas vous parler longuement, parce que l'OTAN pourrait découvrir où il se trouve et nous envoyer un missile. Le colonel Muammar Kadhafi a parlé en arabe. Son fils a ensuite traduit. Il m'a dit, Kirsan, je veux dire par votre intermédiaire que je n'abandonnerai pas le pays. Beaucoup disent que je vais fuir. Je suis ici à Tripoli et je me battrai jusqu'à la dernière goutte de sang. Kadhafi m'a dit encore une chose importante. Kirsan, je n'ai plus confiance dans les pays occidentaux. Si tout se termine normalement, je n'aurai plus aucune relation avec les démocraties occidentales. Pourquoi? Parce qu'en 2003, nous avons signé un accord. J'ai renoncé à mon programme d'armement. Je n'ai pas acheté de fusées. Je n'ai pas développé de programme nucléaire comme la Corée du Nord. Au lieu de cela, les pays de l'OTAN, eux, s'armaient. Ils sont venus et là, ils me bombardent. Et maintenant, que pensent les pays du tiers-monde, d'Afrique, d'Asie, les petits pays d'Europe aussi? Ils pensent qu'il faut s'armer. Et l'Iran maintenant se dit, à quoi bon rester sans rien faire? Il me faut la bombe atomique, et ainsi de suite. Le 24 août, après de durs combats, le palais de Kadhafi et son dédale de fortifications est pris. Le dictateur déchu, lui, est introuvable. Tripoli est aux mains du CNT, mais aussi de dizaines de groupes armés de toute la Libye. Plus ou moins disciplinés, rétifs à l'autorité du CNT, ils entendent obtenir leur part du pouvoir. Il y a même un invité non prévu. Abdelhakim Belhadj, l'ancien djihadiste, qui se proclame chef militaire de Tripoli devant les caméras de la chaîne Qatari Al Jazeera. «
Quand ils sont entrés à Tripoli, ils étaient accompagnés de la chaîne Al Jazeera. On a tout de suite senti qu'il y avait un complot. Nos forces nous ont dit qu'il n'y avait pas du tout d'accord là-dessus. Ils étaient mieux armés, mieux financés, totalement soutenus par les médias, comme si tout cela avait été préparé de longue date. Belhadj, dont les forces reçoivent des armements lourds et des fonds en provenance du Qatar, sur l'aéroport de Tripoli tombé entre ses mains. Pour peser sur la nouvelle Libye, l'émirat a choisi de s'appuyer sur des islamistes avec lesquels il a des proximités idéologiques, aux grandes dames des Occidentaux, qui soutiennent eux un CNT qui peine à asseoir son pouvoir sur Tripoli. Une sourde guerre d'influence a commencé. On a bien senti que le Qatar penchait en faveur de certaines factions politiques. Nos alliés occidentaux, je ne crois pas qu'eux-mêmes s'y attendaient. Ou alors, ils nous auraient avertis. En tout cas, c'est ce que je pense. Nous, en tout cas, on ne s'y attendait pas. La question de Belhadj et des islamistes, c'est un sujet sur lequel il faudra se pencher quand il sera temps. Est-ce que nos alliés qataris se sont un peu trop appuyés sur la fin, sur cette mouvance-là? Est-ce que ça a déplu? Il n'y a aucune ombre entre la France et le Qatar. Voilà. Kadhafi se réfugie à Sirte, sa ville natale, avec son dernier carré de fidèles, où il résiste encore 2 mois. À la chute de la ville, il tente de fuir. Il n'est plus qu'un homme traqué, dont la survie retarde la fin du conflit. On ne savait pas que le colonel Kadhafi était à bord de ce convoi armé. Un convoi armé, c'est une cible légitime, parce qu'il peut menacer les civils. Parmi les avions disponibles dans le secteur, il y a un avion français. Et en effet, ce tir a désorganisé les fuyards et qui sont partis un peu en sauf qui peut général. Et c'est dans ce sauf qui peut général que Kadhafi a été retrouvé dans les conditions que l'on sait, et avec une fin qui est à l'image du caractère tragique qu'il a donné à sa vie et qu'il a choisi lui-même finalement. Pour éviter des massacres annoncés, au nom aussi de la réelle politique, l'Occident et au premier rang la France ont précipité la chute du colonel Kadhafi. Tantôt son meilleur, tantôt son pire ennemi. À l'issue de ce combat à mort, reste une Libye à l'avenir incertain. Entre démocratie espérée ou dictature islamiste redoutée.